Combien même ta mère t'abandonnera.
jamais, car il est fidèle. Tu as été trahi par les amis, tu as été trahi par la famille, tu as été trahi par ton conjoint, mais lui, il est fidèle. Il est fidèle. Mon âme chante alléluia. Alléluia. Mon esprit chante. Shalom, 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 soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Cette nuit, shalom famille TPS, shalom, nous disons bonsoir au Saint-Esprit, si ce n'est pas encore fait. Nous disons bonsoir au Saint-Esprit, sur la tour de prière ce matin, nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Alléluia. Nous croyons que le Saint-Esprit est une personne et qu'il est vraiment réel, il est plus réel que la personne qui est à côté de nous. Alors nous lui disons bonsoir. Alléluia. Pour lui laisser toute la place, pour qu'il prenne le contrôle de tout le temps de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Shalom à toutes les modératrices de la tour de prière Semeur. Shalom à la chambre haute. Shalom, shalom à toute la famille TPS internationale à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur se souvienne de votre fidélité, de votre assiduité, de votre zèle pour lui, pour son nom, et qu'il se souvienne de chaque fois que vous vous connectez pour entrer dans sa présence. Qu'il se souvienne de chaque fois que vous laissez vos occupations pour entrer dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse cette nuit. Nous voulons encore prier, nous voulons encore intercéder, nous voulons encore confier nos vies au Seigneur, nous voulons encore surtout confier notre nuit au Seigneur. Nous savons une chose, alléluia, que la nuit conçoit et que le jour enfante. Écris avec moi, la nuit conçoit, le jour enfante. C'est dans la nuit que l'ennemi vient pour mettre les mauvaises choses dans la vie des enfants de Dieu. C'est dans la nuit que l'ennemi vient pour planter l'ivraie. C'est dans la nuit aussi que l'ennemi vient pour faire des échanges maléfiques, pour faire des transferts maléfiques. Alors il est important en tant qu'enfant de Dieu de se tenir dans la prière de nuit. La prière de la nuit est une prière très, très importante. Et le Seigneur Jésus, lui-même qui est l'exemple parfait, nous prouve, alléluia, qu'il est important de prier la nuit parce que la Bible dit que Jésus priait la nuit. Alléluia, il priait la nuit. Alors nous aussi, nous devons prier. La prière de nuit est très, très importante. Gloire à Dieu. Il faut savoir que les personnes qui prient la nuit, si tu pries la nuit, alors tu seras une personne que Dieu va élever dans la journée. On dit que celui qui se met à genoux dans la nuit, Dieu le tient debout dans la journée. Dieu le tient debout pendant le jour. Je suis à genoux dans la nuit devant le trône de Dieu. Je suis à genoux dans ma nuit pour prier, pour chercher le Seigneur, pour m'humilier, pour chercher son intervention, pour appeler au secours, pour aller le célébrer, l'adorer. Alors quand je le fais la nuit, alors Dieu me fait tenir debout devant les hommes en journée. C'est très important. La nuit qu'on soit et le jour enfante. Alors si nous voulons que notre journée puisse enfanter des bonnes choses, il est important de prier la nuit. Et si nous voulons aussi que notre nuit puisse concevoir des bonnes choses, alors il est important de prier la nuit pour qu'il y ait des bonnes choses qui soient conçues dans notre vie et que notre journée soit aussi une journée aplanie dans le nom puissant de Jésus. C'est très important. Quelqu'un demande comment envoyer un don pour l'église. Vous avez le choix ou vous faites un transfert MoneyGram ou Western Union ou bien vous cliquez juste sur les commentaires. Vous voyez un petit dollar qui est juste là. Vous cliquez sur le petit dollar et vous faites votre offrande, votre don par YouTube. Au travers des commentaires, vous pouvez le faire aussi. Si vous n'avez pas la possibilité, de là où vous trouvez, contactez même l'une des modératrices et elle va vous diriger. Mais sinon, vous avez toutes les coordonnées sous les vidéos pour faire le transfert. Que le Seigneur soit béni. Alors, il est important de prier la nuit. Gloire à Dieu. Je vais prier et nous allons commencer notre prière de ce soir, de cette nuit. La nuit qu'en soit et le jour enfante, oui. Plus tu pries la nuit,
plus tu fais concevoir des bonnes choses à ta nuit, plus tu es béni pendant la journée et plus tu auras une vie de victoire. Alléluia. Une vie de victoire. Alors, il est important de faire la prière de la nuit. Gloire à Dieu. Tendre Père, nous te bénissons, nous te louons. Seigneur, merci pour cette grâce et cette faveur que tu nous accordes encore de nous tenir devant le trône de ta grâce cette nuit. Seigneur, c'est une joie pour nous, c'est une grâce pour nous de nous tenir devant toi, Seigneur. C'est un privilège parce que nous reconnaissons encore une fois que cela ne vient pas de notre décision. Ce n'est pas parce que nous connaissions le programme, ce n'est pas parce qu'on a décidé dans la journée que nous allions suivre la prière de 23 heures. Ce n'est pas parce que nous avons pris la résolution de dire je vais me connecter à la prière de minuit. Mais c'est parce que ta grâce nous a donné le souffle de vie, c'est parce que ta grâce nous a donné la santé, c'est parce que ta grâce nous donne cette opportunité et cette capacité de pouvoir nous connecter, Seigneur, sur la tour de prière semeur. Alors nous te bénissons. Nous ne voulons pas reconnaître une force qui vient de nous, mais nous voulons reconnaître une force et une grâce qui vient de toi. Nous te bénissons, tendre Père. Merci pour cette grâce et cette faveur que tu nous fais, Seigneur, d'être dans ta présence. Oui, nous voulons dire comme David, alléluia, ce que je désire, c'est d'être dans ta présence tous les jours de ma vie, alléluia, jusqu'à la fin de mes jours. David a dit, ce que je désire, c'est de demeurer dans ta maison, d'être dans ta maison toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Mais Seigneur, nous disons, nous voulons être dans ta présence. Oui, nous voulons être dans ta présence qui représente ta maison, tous les jours de nos vies jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Oui, garde-nous toujours dans ta présence, car Seigneur, tel est notre désir. Tendre Père, merci. Nous voulons encore te confier ce temps de prière et que nous soyons encore conduits comme d'habitude par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne toute la place, que le Saint-Esprit puisse envahir l'atmosphère, que le Saint-Esprit puisse diriger toutes choses, parce que oui, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument, mais absolument rien faire. Nous avons encore besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te désirons encore cette nuit que tu puisses nous conduire pendant ce temps de prière. Saint-Esprit, que tu inspires les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches au nom puissant de Jésus. Que tu prennes la place, Saint-Esprit, que tu règnes en maître dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimé, merci de partager ces temps de prière. Merci de partager. Peut-être qu'une personne aura besoin de ces prières, de cette prière. Peut-être que quelqu'un passe des moments difficiles et que cette prière peut être salutaire pour son âme. Alors partagez, soyez des sycomores, c'est-à-dire quand Zachée devait voir Jésus, il était monté sur un sycomore parce qu'il était de petite taille. Alors vous aussi, vous pouvez être des sycomores pour des hommes, pour des femmes, pour des personnes, pour vos proches, pour vos familles, pour vos amis. Partagez la vidéo au maximum pour que cette vidéo, peut-être que par cette vidéo, que le Seigneur puisse transformer une vie, une âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un demande, Shalom et bien-aimé, à quelle heure la guerre de minuit commence? La guerre de minuit commence à 23h maintenant. Nous avons changé les horaires pour permettre à ceux qui travaillent de pouvoir se reposer. Voilà. Donc la guerre de minuit commence maintenant à 23h et se termine un peu au-delà de minuit. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, écris avec moi, ô Dieu, visite-moi cette nuit. Ô Dieu, visite-moi. Alléluia. Visite-moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Ô Dieu, visite-moi cette nuit. Notre thème de ce soir, de cette nuit, c'est la visitation de Dieu. Ô Dieu, visite-moi cette nuit. Visite-moi cette nuit. Alléluia. Ô Dieu, visite-moi cette nuit. Et quand tu l'écris, écris-le avec beaucoup de passion, s'il te plaît. Écris-le avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'attente, avec beaucoup de zèle. En fait, il faut vraiment que tu l'écrives avec une grande passion, avec une grande attente. Tu t'attends à ce que Dieu puisse te visiter. Ô Dieu, visite-moi cette nuit. Visite-moi avec beaucoup de désir. Voilà. Ô Dieu, visite-moi cette nuit. Ô Dieu, visite-moi cette nuit. Bien-aimé, Dieu nous visite dans nos nuits. Dieu peut te visiter et veut te visiter cette nuit. Alléluia. J'ai déjà donné un enseignement sur ce sujet où le thème était « Dieu va te visiter cette nuit ». Alléluia. C'était plutôt « Dieu va te visiter
la nuit. Voilà, Dieu va te visiter la nuit. Et bien aimé, Dieu veut te visiter. Donc commence à demander, c'est comme une prière, oh Dieu, visite-moi cette nuit. Avec beaucoup de désir, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'attente. Tu t'attends au Seigneur, tu t'attends au Seigneur bien aimé. Le jour où j'ai prêché ce message, moi-même j'ai été visité dans la nuit et c'était extraordinaire. Je vous assure, j'avais prêché moi-même le message, c'était un dimanche. Et ce dimanche-là, dans la nuit, j'avais été visité. Alléluia. Alors je sais de quoi je parle. Oh Dieu, visite-moi cette nuit. Oh Dieu, visite-moi cette nuit. Gloire à Dieu. Nous allons lire notre premier texte. Gloire à Dieu, nous lisons notre premier texte qui se trouve dans le psaume 17 du verset 2. On va aller jusqu'à 4. Psaume 17, 2 jusqu'à 4. J'ai écrit jusqu'à 3, mais c'est 2 jusqu'à 4. On va aller jusqu'à 4. Gloire à Dieu. Je lis dans le nom de Jésus. Que ma justice paraisse devant ta face. Que mes yeux contemplent mon intégrité. Que tes yeux, pardon, contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue de tes actions, à la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Je relis encore pour une personne. Que ma justice paraisse devant ta face, que mes yeux contemplent, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà un passage de David. Voilà un extrait du psaume de David, le psaume 17, où David dit à Dieu, si tu le visites la nuit. En fait, il parle de son cœur. Il dit au verset 3, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit. Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit. Bien aimé, ici nous avons déjà une indication. Dieu nous visite la nuit. Alléluia. Dieu te visite la nuit. Et il veut aussi te visiter la nuit. Tu dois croire que Dieu te visite dans ta nuit. Et tu dois croire que cette nuit, Dieu va te visiter dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous visite la nuit. Dieu nous visite la nuit. Mais dans ce que David est en train de dire ici, il dit, si tu le visites la nuit, donc son cœur, si tu sondes mon cœur, nous sommes au verset 3, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Alléluia. En d'autres termes, quand Dieu vient pour visiter nos cœurs dans la nuit, il vient pour voir et pour sonder. Alors, il est important que quand il vient pour sonder, qu'il ne trouve rien. David dit, tu ne trouveras rien. Il dit, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Bien-aimé, enfant de Dieu, tu dois savoir que ce que tu penses doit être pareil avec ce que tu dis. Ce que tu dis doit être pareil avec ce que tu penses. Il dit, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. En d'autres termes, je ne suis pas hypocrite. Quand je lève les mains pour dire, Seigneur, je te bénis, je te loue, tu es mon Dieu, ce que je dis avec mes lèvres est cohérent avec ce que je pense dans mon cœur. Il n'y a pas une double pensée. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas des zones d'ombre. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. David a dit, tu ne trouveras rien. C'est pour cela, bien-aimé, il est important de marcher dans la sanctification. Parce que Dieu te visite la nuit. Et quand il te visite la nuit, il doit trouver un cœur pur. Quand il te visite la nuit, il doit trouver un cœur saint. Quand il te visite la nuit, il doit trouver un cœur rempli de justice. Quand il te visite la nuit, il doit trouver un cœur qui est propre. C'est-à-dire, ce que tu dis avec ta bouche correspond avec ce que tu penses dans ton cœur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des zones d'ombre, qui ont une double pensée. Ils disent, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Mais dans leur cœur, ils ont la haine.
Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Mais dans leur cœur, ils sont dans le péché. Leur cœur est dans le péché. Leur cœur est dans la haine. Leur cœur est dans la colère. Leur cœur est dans le péché. Leur cœur est dans l'adultère. Leur cœur est dans l'impudicité. Et ils sont là en train de prier. Oh Seigneur, Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia. Ils honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Bien-aimé, Dieu visite dans la nuit. Dieu fait des miracles dans la nuit. Quand toi, tu es en train de dormir, tu t'es oublié. Dieu vient pour te visiter. Il vient voir, il dit, je viens voir ma fille Yvetta. Je viens voir mon fils Paul-Élie. Je viens voir, alléluia, je regarde le cœur. Je regarde le cœur. Et si tu avais des demandes alors qu'il vient te visiter, à ce moment-là, toutes tes demandes sont exaucées. Si tu sondes mon cœur, verset 3, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Bien-aimés, vous devez savoir que Dieu nous visite dans la nuit. Alléluia. Dieu visite ses enfants dans la nuit. Dieu visite ses enfants dans la nuit. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples où Dieu a visité ses enfants dans la nuit. Alléluia. Nous avons plusieurs exemples. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs exemples où Dieu a visité ses enfants dans la nuit. Un jour, alors que Dieu avait visité les enfants d'Israël, nous allons lire dans 2 Rois 19 au verset 3, il est écrit, c'était une nuit, il est écrit ceci, 2 Rois 19, c'est au verset 35, pardon, c'est à partir du verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Bien-aimés, quand Dieu, alléluia, quand Dieu te visite, quand Dieu te visite la nuit, il vient détruire tous les esprits méchants qui te suivent. Il vient détruire tous les démons, tous les sorciers. Il vient détruire tous les esprits d'oppression, tout oppresseur qui t'oppresse, tout esprit maléfique qui agit dans tes nuits, qui agit dans ta maison. Il les détruit. Regardez ce que l'ange de l'Éternel fait quand il visite la nuit. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. Alléluia. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Bien-aimé, je prie pour toi que l'ange de l'Éternel sorte et te visite cette nuit. Que l'ange de l'Éternel soit envoyé dans ta maison. Qu'il te visite cette nuit et qu'il frappe tout esprit satanique et démoniaque qui agit contre toi. Et qu'il frappe tout esprit maléfique, démoniaque qui te retient, qui retient tes bénédictions, qui cache tes bénédictions, qui cache ton étoile. Tout esprit qui te combat toujours, qui est toujours en train de te combattre, qui t'empêche de dormir. Qu'il soit frappé cette nuit dans le nom de Jésus. Parce que Dieu visite. Alléluia. Voyez comment il a visité son peuple. Dieu a visité son peuple et il a frappé les ennemis d'Israël. Il a frappé les ennemis d'Israël. Alléluia. Ils ont été frappés, ils ont été châtiés, ils ont été détruits. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel était sorti. Alléluia. Parce que l'ange de l'Éternel avait intervenu. Et c'était la nuit, cette nuit-là. Et je déclare sur toi que cette nuit, l'ange de l'Éternel va sortir et te visiter dans le nom de Jésus, parce que c'est ce que tu désires. Je déclare que cette nuit, l'ange de l'Éternel va te visiter, va visiter ta maison, va venir te visiter alors que tu seras en train de dormir. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important que ce que tu dis avec ta bouche soit en cohérence avec ce que tu penses dans ton cœur. Alléluia. Avec ce que tu penses dans ton cœur. C'est pour cela que David dit, je retourne encore, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Bien-aimé, que ta pensée ne soit pas autre que ce qui sort de ta bouche. Ne pense pas autre chose et ne dis pas autre chose. Alléluia. Ne sois pas un chrétien duplex, je peux dire comme ça. La bouche dit autre chose, le cœur pense autre chose. Non, nous devons être corrects. Alléluia. Tu dois faire attention. Beaucoup de chrétiens ratent leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils prient beaucoup. Mais là, c'est juste les lèvres qui prient. Le cœur n'a rien à voir. Le cœur ne prie pas. Le cœur est noir. Mais il prie, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon roi, je te bénis, je te loue, Seigneur, oh, tu sais que je t'aime. Mais quand le Seigneur vient, bon, je vais voir. Quand il vient visiter le cœur est tout noir.
alors là, ils passent à côté, ils ratent leur bénédiction, ils ratent tout ce que Dieu pouvait faire pour eux. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas... Leur cœur n'est pas en cohérence avec la parole de Dieu. Leur cœur est tout noir. Leur cœur est éloigné de Dieu. Alors nous devons faire attention. Parce que Dieu va te visiter cette nuit. Alléluia. Qu'il nous visite la nuit dans le nom de Jésus. Qu'il te visite cette nuit. Voilà, quand il visite dans la nuit, quand Dieu visite une vie dans la nuit, quand Dieu visite une personne dans la nuit, il ramène l'ordre divin. Il brise les combats et il brise plutôt les ennemis. Il détruit les dents des ennemis. Il ramène l'ordre divin. Dieu ne peut pas te visiter et te laisser tel qu'il t'a trouvé. C'est pas possible. D'ailleurs, déjà, dès qu'il rentre dans ta maison, dès qu'il vient te visiter, tous les esprits méchants se mettent au garde à vous. Ils fuient au nom de Jésus. Alléluia. Ils ne peuvent pas résister. Alors désire la visitation de Dieu en cette nuit. Désire sa visitation. Bien aimé, la Bible nous parle aussi de Jacob. Quand Jacob avait été visité dans la nuit, la Bible nous parle de Jacob. Jacob avait été visité dans la nuit. Et quand il était visité dans la nuit, Dieu lui a changé son nom. L'ange lui a changé son nom. Et ça, nous trouvons cela dans Genèse 32, à partir du verset 24. Il a été visité pendant la nuit. Et son nom a été changé en Israël. Grâce à quoi? À la visitation divine dans la nuit. Grâce à la visitation divine dans la nuit. C'est pour cela que nous devons aimer les prières de nuit. C'est très important. Alléluia. Oh, j'avais gardé ce verset, mais je ne le vois plus. J'essaie de voir celui de Jacob. Voilà, il est là. Gloire à Dieu. Je vais le lire. Genèse 32, 24 à 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. 26. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » 28. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Bien-aimé, quand Dieu te bénit la nuit, Quand il te visite plutôt la nuit, il te bénit. Quand Dieu te visite la nuit, il change ton nom. Alléluia. Quand Dieu te visite la nuit, il change ton nom. La Bible déclare dans le psaume 121 au verset 4, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Quand il te visite, bien-aimé, quand Dieu te visite, il te bénit. Jacob, son nom a été changé grâce à la visitation divine. La visitation dans la nuit. La visitation dans la nuit. Alors désire cette visitation. Désire être visité cette nuit. Désire cette visitation. C'est pour cela, dit encore, oh Dieu, visite-moi cette nuit. Visite-moi cette nuit. Que tu sois visité dans le nom puissant de Jésus. Ah, je déclare que tu sois visité. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Nous pouvons aussi voir Pierre. Quand Pierre était en prison, alléluia. Il a été libéré, pourquoi? Parce qu'il a eu une visitation angélique. Dans la nuit, alors il a été libéré de la prison. Les liens qui le retenaient ont été rompus. Pourquoi? Parce qu'il a été visité dans sa nuit. Pareil aussi pour Paul et Silas. Alors qu'ils étaient emprisonnés, ils chantaient des cantiques, ils chantaient des louanges, ils priaient. Dans la nuit, à minuit, un ange avait été envoyé. Et quand l'ange est parti dans cette prison, il y a eu un tremblement de terre. Et Paul et Silas ont été libérés miraculeusement. Alors, bien-aimé, quand Dieu te visite la nuit, il y a un miracle qui se fait. Quand Dieu te visite la nuit, c'est comme quand il vient, c'est comme un balai. Il commence à balayer. Exactement comme quand Jésus était rentré dans le temple et qu'il a vu qu'il y avait des marchands de pigeons, il y avait des changeurs, il a commencé à les chasser. Quand il te visite la nuit, il chasse tout ce qui encombre ta destinée. Il chasse tout esprit méchant que lui n'a pas, qu'il n'a pas commandé ou encore commandité pour être dans ta maison. Il chasse tout ce qui ne lui glorifie pas. Alléluia. Tout ce qui ne le glorifie pas est chassé. Mais la première chose qu'il regarde, le cœur. La première chose, c'est le cœur.
La première chose, c'est le cœur. Il éprouve le cœur. Oh, que ma justice paraisse devant ta face. Quand Dieu vient pour te visiter, quand il te visite, alors, quand tu es juste, ta justice paraît devant la face de l'Éternel. Que ma justice paraisse devant ta face. Que mes yeux contemplent, que tes yeux, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis mes yeux à chaque fois. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Que tes yeux contemplent mon intégrité. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Waouh! Un homme comme toi et moi, David, qui dit à Dieu, que tes yeux contemplent mon intégrité. En d'autres termes, je ne me reproche de rien. Contemple, regarde à l'intérieur de moi, regarde-moi. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites dans la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Visite-moi cette nuit. Que ma justice paraisse devant ta face. Bien-aimé, quand tu es poursuivi par les esprits méchants, quand tu es oppressé, tu n'as rien fait. Alléluia. Tu regardes, tu penses en arrière devant, tu ne vois pas. Qu'est-ce qui peut faire que tu puisses toujours être oppressé comme ça? Alors mets-toi devant Dieu. Oh Dieu, que ma justice paraisse devant ta face. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Tu commences à parler, à plaider devant Dieu. Que ma justice paraisse devant ta face. Alléluia. Et regarde mon cœur, regarde, sonde mon cœur et juge mes ennemis. Sonde mon cœur et juge la sorcellerie. Juge ces esprits qui sont toujours en train de vouloir me retenir, de m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Cette maladie, Seigneur, sonde mon cœur et regarde. Comment je peux avoir un cancer de poumon alors que je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais eu une vie de débauche. Cette maladie vient d'où? Regarde mon intégrité, Père, et commence à juger. Commence à juger. Et David appelait à la justice de Dieu. Si tu visites mon cœur, si tu visites mon cœur pendant la nuit, si tu me visites, alléluia, que tes yeux contemplent mon intégrité. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Vous savez, quand vous êtes accusé à tort, quand les gens vous accusent à tort, on pense du mal de vous. Là où vous n'avez rien pensé de mal, on dit quand même que vous avez pensé. Vous n'avez pas dit quelque chose. On dit oui, c'est Luc, c'est toi qui avais dit. On invente une histoire de toute pièce. Vous ne comprenez absolument rien. Les gens vous haïssent pour rien. Oh Dieu, que tes yeux contemplent mon intégrité. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Que ma justice paraisse devant ta face. Bien-aimé, quand vous priez comme ça, Dieu intervient. Alléluia. L'ange de l'Éternel vient faire un carnage. Vient détruire tous ceux qui se lèvent contre vous. Il y a des personnes qui ont des maladies sataniques et démoniaques. Vous ne devriez pas être malade. Alléluia. Il y a des maladies qui sont naturelles, mais il y en a beaucoup qui viennent des démons. Alléluia. Vous ne devriez pas être malade. Il y a des personnes, leurs destinées ont été retenues par l'ennemi. Vous êtes toujours en train de ramer. Vous ne comprenez rien. Vous faites le bilan, 5 ans, 10 ans de ramage, bien-aimé. Commence à dire, Seigneur, oh, que mon intégrité paraisse devant ta face. Que mon intégrité paraisse devant ta face. Alléluia. Visite-moi cette nuit. Visite-moi. Et je déclare que Dieu te visite dans le nom puissant de Jésus. Je te déclare que Dieu te visite. Vous devez savoir, bien-aimé, sachez toujours que Dieu veut vous faire du bien. Sachez-le que Dieu veut vous faire du bien. Sachez-le que Dieu veut que vous puissiez prospérer, comme l'a dit Jean dans 3 Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens, l'âme prospère. Ça, ce n'est pas un problème. L'âme prospère. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que le chrétien, comme son âme prospère, je vais maintenant toucher les autres domaines. Je vais toucher le mariage. Je vais toucher son travail. Je vais aller toucher sa formation. Je vais aller toucher ici. Je vais toucher comme ça. Il vous met des soucis. Vous avez beaucoup de soucis. Et cela va empêcher votre âme d'avancer, pour empêcher votre âme d'avancer. C'est les stratégies du diable. Il va aller toucher votre travail, il va aller toucher votre mariage, il va aller toucher vos relations, il va aller toucher vos projets. Vous avez besoin de construire une maison, vous avez commencé, mais ça fait 15 ans, la maison n'a jamais été achevée. Alléluia. Il va toucher, vous donnez de l'argent là-bas, on vous bouffe l'argent. Le diable veut toucher, pourquoi? Parce qu'il veut empêcher à ce que votre âme puisse avancer, pour que vous puissiez être dans les soucis de ce monde. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice.
Cherchez le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. En fait, le diable, quand il donne les soucis comme ça, il veut nous détourner du royaume. Il veut nous détourner de l'essentiel qu'est le royaume. Et nous sommes focalisés maintenant sur la maladie. Nous sommes focalisés sur nos problèmes. Nous sommes focalisés. Le temps que tu allais prier vraiment correctement, chercher les choses du royaume, tu es en train de te soucier encore, de te soucier. Ah, mon salaire, je n'ai pas eu mon salaire. Bien aimé, le diable est rusé. Il y a des personnes, même leur salaire, on ne leur donne pas. On dit que tu as déjà pris. C'est des choses qui sont vraies. Tu travailles, tu vas chercher ton salaire. On te dit non, toi, on t'a déjà payé. Regarde, le virement a été fait. En fait, tu n'as jamais vu l'argent. Tu ne l'as jamais touché. C'est des choses réelles. L'ennemi est passé par là. Et qu'est-ce que tu vas dire? Il y a la preuve qu'il y a eu un virement sur ton compte. Mais toi, tu n'as jamais touché l'argent. Tu ne sais pas. Où est passé l'argent? Tu ne sais pas. C'est le diable. Alléluia. Et le diable veut mettre beaucoup de soucis pour pas que nous puissions prospérer dans notre âme. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, tu as l'autorité. Le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité. Et c'est pour cela que nous devons user de cette autorité. Nous devons utiliser cette autorité. Alléluia. Nous devons prendre cette autorité, l'utiliser et récupérer ce qui nous appartient. Alléluia. Récupérer ce qui nous appartient. Détruire les œuvres des ténèbres et continuer à avancer dans notre âme. Continuer à prospérer dans notre âme. Nous prospérons dans l'âme et nous prospérons dans toutes les choses. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu puisses prospérer à tous égards, bien-aimé. Que tu puisses prospérer à tous égards. Que rien ne puisse te retenir. Le temps où ton âme est en train de prospérer, c'est pour cela que beaucoup de chrétiens, à force, disent seulement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu seul sait, bien-aimé, il y a des choses que tu dois arracher par force. Alléluia. Écris avec moi, je le prends par force au nom de Jésus. Je récupère par force au nom de Jésus. Il y a des choses que tu dois prendre par force. Si tu dis seulement, ah, oh, Dieu seul sait, hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'âme est en train de prospérer, mais là-bas, le diable a coincé. Alléluia. Je le récupère par force. Par force, je le prends dans le nom de Jésus. La Bible déclare que le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des choses que tu vas récupérer par la violence. Il y a des choses que tu vas récupérer par la violence parce que tu as décidé de les récupérer. Et de ne pas laisser un carré de ta vie au diable. Il y a des choses que tu récupères parce que tu prends autorité. Le Seigneur nous a déjà donné l'autorité. Il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Regardez, tout ce que vous lierez sur la terre, il y a des choses qui doivent commencer sur la terre. C'est-à-dire que tu décides sur la terre et le ciel approuve. Tu décides sur la terre et le ciel t'accompagne. Tu décides sur la terre et le ciel s'ouvre. Tout commence d'abord, tu décides. Tout ce que vous lierez sur la terre, il n'a pas dit dans les cieux et ça va venir sur la terre. Non, sur la terre. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Alors si je déclare que mon travail s'ouvre maintenant au nom de Jésus, je déclare que je récupère ma prospérité, alors le ciel aussi dit, d'accord, on est d'accord, enfant de Dieu, alors que cela te soit fait ainsi parce que c'est ton identité, tu as droit à cela. Il y a des choses que tu prends par force, by force, comme on dit en anglais. By force, tu le prends, alléluia. Je le récupère, take it by force. Je le récupère, je le prends par force. Je n'ai pas le temps, je le prends par force. Alléluia, je le récupère. Je ne veux pas laisser la place à Satan. Je ne veux pas lui laisser le temps. Je le récupère dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Pour pas que je puisse être dans les soucis, je le récupère dans le nom de Jésus. Et j'ai la foi que je l'ai déjà récupéré. Alors c'est terminé, j'ai récupéré. Alors bien aimé, désire à ce que Dieu te visite cette nuit. Qu'il te visite cette nuit. Ton corps n'est pas un jouet pour que les maris de nuit et les femmes de nuit viennent jouer. Alléluia. Ton corps n'est pas un jouet. Ton corps n'est pas un objet. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas une pharmacie pour prendre 10 médicaments par jour. Ton corps n'est pas une pharmacie. Ah, Judith Louindoula, sois bénie. Ça, c'est elle qui m'avait dit ça. Et j'ai pris, c'est dit, waouh, ça, c'est une belle phrase. Mon corps n'est pas une pharmacie. Et crainte-moi, mon corps n'est pas une pharmacie dans le nom de Jésus. Ma vie n'est pas un désert pour être toujours dans la pauvreté. Parce que dans le désert, il n'y a rien, tout est sec. Ma vie n'est pas un désert. La Bible déclare, le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Donc moi, je ne suis pas un désert. Alléluia. Je ne suis pas un désert. Je ne suis pas un désert pour être toujours à sec, toujours à sec. Je peux être à sec un moment, mais l'abondance finira toujours par venir parce que des sources d'eau vive coulent dans mon sein. Je ne suis pas un désert. Alléluia. Je ne suis pas un désert. Dans le nom de Jésus, je ne suis pas un désert. Dans le nom puissant de Jésus. Écris avec moi, je ne suis pas un désert. Je ne suis pas une pharmacie.
Je ne suis pas une pharmacie au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas une pharmacie. Je ne suis pas un terrain de jeu pour les sorciers, pour qu'ils viennent jouer dans ma maison tous les jours, tous les jours. Ma maison n'est pas un terrain de jeu. Ma maison n'est pas un terrain de tennis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ma maison appartient au Saint-Esprit. Ma maison appartient au Saint-Esprit. Alors dans ma maison, c'est le feu dans le nom puissant de Jésus. Alors je récupère ce qui m'appartient. Il y a des choses que tu dois prendre de force. Où tu dis, Seigneur, que ma justice paraisse devant ta face. Que mes yeux contemplent, que tes yeux contemplent mon intégrité. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Mon Dieu, viens me visiter. Contemple, viens. Et quand il vient, bien-aimé, il change les choses. Quand il vient, les murs de prison tombent. Quand il vient, la maladie dit, là, je ne peux pas demeurer. Je m'en vais, je disparais, c'est fini. Je ne veux plus rester dans ce corps. Je ne reste plus dans ce corps. La maladie dit, au revoir, c'est fini. En tout cas, je m'en vais. Quand il vient, le célibat chronique des ténèbres, là, dit, je m'en vais, je ne veux plus te retenir longtemps. Je m'en vais, je lâche prise. Quand il vient visiter. C'est pour cela que nous voulons désirer cette visitation divine. La visitation divine dans le nom de Jésus. Alléluia. La visitation divine dans le nom de Jésus. Que personne ne joue avec l'intelligence de tes enfants. Que personne ne joue avec ta vie. Qu'aucun esprit ne vienne jouer avec ton foyer. Qu'aucun esprit ne vienne jouer avec ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. La Bible dit, nous ne sommes plus nés de la chair ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Alors, qu'est-ce que les réclamations de famille vont faire encore dans ta vie? Tu es né de Dieu aujourd'hui. Tu es une nouvelle créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Voilà les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a encore avec les réclamations de la maison de mon père, la maison de ta mère? Dès que tu as un peu d'argent, ils viennent t'attaquer. Dès que tu veux un peu évoluer, ils viennent empêcher. Dès que tu veux un peu avancer, ils te mettent des chaînes. Bien-aimé, je connais une personne qui avait fait dès qu'elle est arrivée en Europe, elle a fait un rêve bizarre. Dans ce rêve, elle a vu quelqu'un lui tirer dessus. On lui a tiré aux pieds, aux deux pieds, aux deux genoux, aux deux coudes. On a tiré partout. Ça, c'est quoi? C'est pour mettre la lourdeur, pour que la personne ne puisse pas avancer. C'est clair. La première nuit en Europe, on vient lui tirer dessus. C'est le diable. Alléluia. Alors, bien-aimé, désire la visitation de Dieu. Désire la visitation du Seigneur cette nuit. Désire. Dans le nom puissant de Jésus, 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 refuse les fausses couches au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu dis, je n'ai pas été appelé pour avorter. Je n'ai pas été appelé pour faire passer des enfants au nom de Jésus. Alléluia. Je suis appelé pour être fertile dans le nom de Jésus. Quand tu parles, tu touches ton ventre. Je suis appelé pour porter des enfants au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a créé une femme, parce que je dois devenir une mère au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu déclares et tu le prends par force dans le nom de Jésus. Tu le prends par force. Au nom de Jésus, il y a des choses qui demandent la force, bien-aimée. Il y a des choses qui demandent la violence spirituelle. Il y a des choses qui demandent la violence spirituelle. Avez-vous déjà remarqué, nous allons prier dans deux minutes, avez-vous déjà remarqué que même dans les villages, exemple, s'il y a une personne qui a la sorcellerie qui est en train de déranger, une autre personne, peut-être une grand-mère, voilà, elle est simple, mais quand elle va parler, celle-là n'est pas sorcière. Quand elle va parler, elle va dire, ne touchez pas à mes petits-enfants, ne touchez pas à mes enfants. Elle va sortir très tôt le matin, elle va commencer à parler. Si quelqu'un touche moi à mes enfants, il va voir. Vous allez voir qu'il n'y aura plus de menaces. Les sorciers vont fuir. Et pourtant, il n'y a pas le nom de Jésus là-bas. Ils vont fuir. Mais à combien plus forte raison quand tu mets le nom de Jésus, quand tu engages le ciel avec toi, quand tu engages les anges avec toi, quand tu engages ta patrie céleste, à combien plus forte raison l'ennemi ne peut pas résister, l'ennemi ne peut pas s'asseoir, l'ennemi ne peut pas demeurer bien-aimé. Commencez à prendre les choses par force. Récupère ton succès par force. Récupère ta fécondité par force. Récupère ton argent par force. Par force, récupère ton travail par force, récupère ta destinée par force, récupère ton étoile par force, récupère. Alors désire à ce que Dieu puisse te visiter cette nuit dans le nom de Jésus. Qu'il y ait une visitation divine dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il y ait une visitation divine. Alléluia. Nous voulons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, tu n'appartiens pas aux esprits des eaux. Tu n'appartiens pas aux sorciers, tu n'appartiens pas aux esprits des eaux. Tu n'appartiens pas à toutes ces choses-là, bien-aimé. Toi, tu es une nouvelle créature. Tu es né de Dieu, tu es né de nouveau. Alléluia. Que le Père, ton Père céleste, te visite cette nuit. Oui, qui te visite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui ont été appelées à faire tellement de grandes choses dans la vie. Mais à cause du monde des ténèbres, ils ont été bloqués. Ils n'ont rien fait. À cause du monde des ténèbres, tous leurs plans ont été avortés. Toutes leurs grâces ont été avortées. Tout ce qu'ils pouvaient faire ont été avortés. Il y a des personnes bien-aimées. Je vous dis, le monde des ténèbres existe. Le monde spirituel est réel. Alléluia. Le monde spirituel est réel. Une fois, j'ai reçu le coup de fil d'une maman qui m'a dit, « Maman, vraiment, prie pour mon enfant, pour mon fils. » Mon fils a bien étudié. Mon fils a fini ses études. Il a eu un très bon travail il y a trois mois. On lui a donné un très bon poste avec une voiture de service. Mais le problème, c'est que quand l'enfant a commencé le travail, l'enfant a eu la folie. Il est fou. Au moment où je vous parle, il ne travaille plus. L'enfant est interné à l'hôpital. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon enfant a fait toutes les études possibles. Il s'est investi. Mais au moment où il a eu le travail, la folie est venue. Vous voyez comment le diable fait les choses. Alléluia. Vous voyez comment l'ennemi, il te laisse finir tes études. Mais au moment où vous voulez jouir de ces efforts-là, l'enfant veut jouir, qu'est-ce qu'il vient? Il vient mettre la folie, l'enfant interné. Alors il ne peut plus être au travail à cause de l'ennemi. C'est pour cela, bien-aimé, ne lui laissez jamais une place dans vos vies. Il faut prier avec violence, il faut prier avec autorité, il faut prendre les choses par force dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas dire encore, alléluia. Tu vas prier cette nuit. Nous voulons bénir le Seigneur, alléluia, nous voulons le célébrer, nous voulons le magnifier encore. Tu vas dire tout simplement, merci Père pour cette session de prière, merci pour ta parole, oh Dieu. Merci Père pour ta parole qui me rappelle que tu ne sommeilles ni ne dors. Merci pour ta parole Seigneur qui me rappelle encore cette nuit que tu ne sommeilles ni ne dors. Et je te dis merci pour ta présence dans ma vie. Oui bien-aimé, la présence de Dieu est dans ta vie. La Bible déclare que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël est celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est ton Dieu. Il est ton maître. Il est ton Seigneur. Alors commence à lui dire merci. Merci pour sa protection divine. Merci pour sa grâce. Merci pour son amour à ton égard. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Dis merci à Dieu. Merci pour cette nuit. Merci de t'avoir gardé. Gardé tes enfants. Gardé ta famille. Merci pour sa grâce dans ta vie. Merci pour sa protection divine. Merci parce qu'il est toujours présent à tes côtés. Reconnais-le cette nuit. Reconnais qu'il est toujours présent avec toi. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô tendre Père, nous te bénissons. Nous te louons encore. Nous te magnifions encore cette nuit. Seigneur, je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je veux t'adorer, t'exalter, te dire merci. Merci car ta présence est toujours là à côté de moi. Merci pour cette journée. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence merci pour ta présence dans la vie de mon époux. Merci pour ta présence, ô Dieu, dans la vie de mes enfants. Merci pour ta présence, ô Seigneur, dans la vie des membres de la tour de prière Semeur. Merci pour ta présence dans la vie de tes enfants. Je veux te célébrer, je veux te louer, je veux t'adorer. Je te dis merci, ô Dieu. Je veux annoncer à la nuit que tu es fidèle. Je veux annoncer à la nuit que tu es le Dieu de toute bonté. Je veux annoncer à la nuit que tu es le Dieu de miséricorde. Je veux annoncer à la nuit que tu es le Dieu de grâce. Reçois la gloire et la louange. Reçois la magnificence. Toi qui es mon Dieu, merci. Je vais te célébrer car tu ne sommeilles ni ne dors. Oui, la Bible déclare, voici il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Oui, c'est pour cela je veux encore te célébrer cette nuit. Je veux déclarer que tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui gardes ma vie, toi qui gardes ma maison, toi qui gardes mes enfants, toi qui gardes ma famille, tu ne sommeilles ni ne dors. C'est pour cela je veux te célébrer. C'est pour cela je veux te louer. C'est pour cela je veux t'adorer. C'est pour cela que je veux te magnifier. C'est pour cela que je veux reconnaître ta grandeur. Cette nuit, reçois la gloire et la louange.
louange dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je te magnifie, je t'exalte, je te loue, je te glorifie, car tu es bon. Reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nul n'est comme toi, nul n'est puissant comme toi, nul n'est glorieux comme toi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, reçois la gloire cette nuit, reçois la louange cette nuit, reçois la magnificence cette nuit. Oh Seigneur, je veux élever ton nom parce que ta présence, alléluia, est toujours dans ma vie. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour ta présence dans ma vie, pour ta présence. C'est toi qui me protège, c'est toi qui me garde, c'est toi Seigneur qui préserve ma vie, c'est toi Seigneur qui préserve la vie de mes enfants, c'est toi Seigneur qui préserve la vie de ma famille. Reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Alléluia, tu vas prier avec moi, tu vas déclarer ceci. Alléluia, tu vas déclarer ceci, alléluia. Tu vas dire tout simplement, oh Seigneur, pardonne mes péchés. Bien-aimé, vous savez, la Bible déclare dans Proverbe 28 au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il est important que nous puissions demander pardon à notre Dieu pour tous les péchés que nous avons commis. Alléluia. C'est pour cela que David dit, « Si tu visites mon cœur dans la nuit, si tu l'éprouves, tu ne trouveras rien. » Alors demandons pardon afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons pardonnés, afin qu'il n'y ait rien qui puisse empêcher Dieu de pouvoir agir dans notre nuit, afin qu'il n'y ait pas un péché qui nous accuse devant Dieu. Demande pardon, car celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Prions le Seigneur, demande pardon à ton Dieu. Fais une prière de repentance, demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Péché connu et inconnu, dans le nom puissant de Jésus, commence à demander pardon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Dieu, je te demande pardon. Seigneur, je viens encore devant le trône de ta grâce, te demander pardon pour tous mes péchés, te demander pardon, Seigneur, pour tous les péchés que j'ai faits, Seigneur. Je reconnais, oh Seigneur, que je suis pécheresse. Je reconnais, Seigneur, que je pêche. Je reconnais, Seigneur, que je fais des choses, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié. Je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Pardonne toute chose que j'ai dit, Seigneur, et qui ne t'a pas glorifié. Pardonne toute chose que j'ai pensé, Seigneur, et qui ne t'a pas honoré. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-nous cette nuit. Cette nuit encore, nous venons te demander pardon. Cette nuit, Seigneur, nous venons encore te demander pardon. Des fois, nous faisons des choses, Seigneur, comme si nous n'étions pas les chrétiens. Nous reconnaissons que des fois, Seigneur, nous avons des agissements qui ne te glorifient pas. Alors, Seigneur, aide-nous pardonner. Parce que tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Tu as dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Nous décidons de nous détourner de nos mauvaises voies. Seigneur, je décide cette nuit de me détourner de mes mauvaises voies. Je décide cette nuit de me détourner de mes mauvais caractères. Je décide cette nuit de me détourner de mes mauvais chemins. Je t'en supplie, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne mes mauvais caractères. Pardonne mes mauvais langages. Pardonne mes mauvaises pensées. Pardonne toute chose que je fais et qui m'accuse devant toi. Oh Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te prions encore que ton sang puisse encore nous laver. Que ton sang puisse encore nous purifier. Que ton sang puisse encore, oh Seigneur, nous purifier. Bien-aimé, demande au sang de Jésus de te purifier. Demande au sang de Jésus de te purifier cette nuit. Oui, alors que nous sommes à la porte de minuit. Que le sang de Jésus te purifie. Commence à déclarer. Je déclare que je me plonge dans le sang, alléluia, de Jésus. Je déclare que je me plonge dans la piscine du sang de Jésus. Cette nuit, avant d'aller dormir, je déclare que je me plonge dans la piscine du sang de Jésus et je déclare que je suis purifié, esprit, âme et corps, dans le nom de Jésus. Je suis purifié, je fais purifier mes enfants, je plonge mes enfants dans la piscine du sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Cette nuit, je plonge mes enfants dans la piscine du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je plonge mes enfants dans la piscine du sang de Jésus. Cette nuit, je déclare que je plonge mes enfants dans la piscine du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus me lave esprit, âme et corps, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore inviter le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas encore inviter le Saint-Esprit. Tu vas dire tout simplement, alléluia. Tu vas dire tout simplement au Saint-Esprit, alléluia, j'ai besoin de toi. Tu vas encore demander au Saint-Esprit de venir dans ta vie. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir encore. Tu vas demander au Saint-Esprit de pouvoir encore changer ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse te remplir. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse te remplir. Que le Saint-Esprit puisse encore conduire ta vie. Dis tout simplement, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis assoiffé de toi. Saint-Esprit, remplis-moi encore cette nuit. Remplis-moi de toi. Remplis mes pensées de toi. Remplis mon cœur de toi. Remplis ma vie de toi. Remplis ma conscience de toi. Je veux être rempli de toi. Saint-Esprit, je reconnais que cette nuit, c'est sans toi, je ne peux rien faire. C'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Remplis ma vie de toi. Bien-aimé, commence à désirer le Saint-Esprit. Commence à désirer le Saint-Esprit. Commence à désirer le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je brûle, alléluia. Je brûle d'amour pour toi. Saint-Esprit, je prie que tu puisses me remplir. Saint-Esprit, alléluia, je veux que tu sois ma passion. Je veux que mon cœur brûle de passion pour toi. Je veux que mon cœur brûle d'amour pour toi. Saint-Esprit, je te désire encore cette nuit. Remplis ma vie, remplis mes pensées, remplis mon âme. Saint-Esprit, l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de révélation, l'esprit de force, l'esprit de restauration, l'esprit de puissance, l'esprit de prophétie, l'esprit de guérison, l'esprit de miracle. Viens remplir ma vie, viens remplir ma vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Je te désire. Prends le contrôle total de ma vie. Saint-Esprit, contrôle encore ma vie, contrôle ma maison, contrôle mes chemins, contrôle mes voies, contrôle mes pensées, contrôle-moi. Saint-Esprit, je refuse de contrôler mon corps, je refuse de contrôler mon cœur, je refuse de contrôler ma vie. Mais Saint-Esprit, je te prie, prends tout le contrôle total, prends le contrôle total de ma vie. Je veux être conduit par toi, je veux être conduit par toi. Saint-Esprit, je t'en supplie, je te donne encore ma vie. Prends le contrôle total, contrôle mon caractère, enlève toute chose qui ne glorifie pas le Seigneur, enlève toute chose qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie. Enlève toute chose qui bloque mes bénédictions. Enlève toute chose qui bloque mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, commence à me tailler. Saint-Esprit, commence à prendre le contrôle. Prends le contrôle de ma maison. Qu'aucun autre esprit ne prenne le contrôle de ma maison. Je dis, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Prends le contrôle de ma maison. Prends le contrôle de mes enfants. Prends le contrôle de ma destinée. Prends le contrôle de ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, alors que nous avons dit que Seigneur, oh Dieu, visite-moi cette nuit. Visite-moi. Bien-aimés, la nuit, c'est là où le diable aussi ramène la peur. Beaucoup de personnes ont peur de dormir la nuit. Beaucoup de personnes, des fois, quand on est bousculé, après on a peur, on est perturbé. Alors tu vas prier, tu vas dire tout simplement, oh Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, chasse la peur de ma vie. Pendant cette nuit, alléluia, chasse la peur de ma vie pendant cette nuit ou encore pendant la nuit. Chasse la peur de ma vie pendant la nuit et apprends-moi à entendre la voix de Dieu. Quand Dieu te visite la nuit, il te parle. Quand Dieu te visite la nuit, tu dois entendre sa voix. Tu dois savoir que là, Dieu m'a visité. Tu dois entendre sa voix. Alors dis au Saint-Esprit, chasse la peur de ma vie. Chasse la peur de mon cœur. Chasse la peur de la nuit. Que je ne puisse pas avoir peur cette nuit. Que je ne puisse pas avoir peur quand je dors. Que je ne puisse pas être angoissé quand je dors. Que je ne puisse pas être oppressé quand je dors. Saint-Esprit, je t'en supplie, chasse la peur de mon cœur. Chasse la peur de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que dans ta nuit, tu ne puisses pas avoir peur. Commence à demander au Saint-Esprit de chasser cela au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit chasse la peur. Alléluia. Que le Saint-Esprit chasse la peur de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit chasse la peur. Chasse les angoisses. Chasse les oppressions. Chasse tout ce qui ramène, en fait, tu as peur. Tout ce qui ramène les angoisses. Tout ce qui ramène les découragements. Tout ce qui peut te ramener des friolements quand tu dors. Que cela soit enlevé par le Saint-Esprit. Qu'il puisse enlever cela dans le
le nom de Jésus. Commence à prier. Alléluia. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, je t'en supplie. Cette nuit, visite-moi. Alors que je vais dormir, enlève la peur dans mon cœur. Enlève la peur dans ma vie. Saint-Esprit, enlève la peur. Enlève la peur. Enlève en moi la peur de la nuit. Enlève tout ce qui m'épouvante. Dans le nom de Jésus. Que Seigneur, l'effroi ne soit pas dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, que la frayeur ne soit pas dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Que je ne puisse pas avoir peur dans la nuit. Que je ne puisse pas avoir peur quand je dors. Que je ne puisse pas avoir peur dans mes rêves. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, je t'en supplie. Enlève la peur. Enlève la peur. Saint-Esprit, enlève les terreurs de la nuit. Dans le nom puissant de Jésus. Délivre-moi des terreurs de la nuit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, chasse la peur de ma vie. Pendant que je dors. Pendant ma nuit. Pendant ma nuit. S'il te plaît, Saint-Esprit, apprends-moi à écouter la voix de Dieu. Apprends-moi à entendre la voix de Dieu quand je suis en train de dormir. Entends-moi, apprends-moi à entendre la voix de Dieu. Apprends-moi à écouter la voix de Dieu quand je dors. Apprends-moi à reconnaître quand Dieu me visite. Au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, bien-aimé, comment continuer à prier? Dieu, Saint-Esprit, de chasser la peur de ta vie. Qu'il chasse les terreurs dans ta vie. Que tu ne puisses pas avoir peur. Qu'il chasse la terreur dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, enlève la terreur dans mon cœur quand je dors. Dans le nom de Jésus. Que je ne puisse pas avoir peur de la nuit. Que je ne puisse pas avoir peur de la nuit. Que la peur soit brisée dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Que la peur soit brisée dans ma vie. Que la peur soit brisée quand je dors. Que je ne puisse pas avoir peur. Dans le nom puissant de Jésus. Que la nuit ne me fasse pas peur au nom puissant de Jésus. Que les terreurs de la nuit ne me fassent pas peur au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu me visite. Parce que Dieu me visite. Parce que Dieu me visite au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, 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 que je ne puisse pas avoir peur. Chasse la peur de ma vie. Chasse la peur de mon cœur pendant que je dors au nom puissant de Jésus. Chasse les craintes. Chasse les craintes au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et s'il te plaît, Saint-Esprit, Esprit, apprends-moi à entendre la voix de Dieu. Apprends-moi à entendre la voix de Dieu. Apprends-moi à reconnaître quand Dieu me visite. Que je ne puisse pas confondre avec l'ennemi. Que je ne puisse pas avoir peur là où Dieu est en train de me visiter. Dans le nom puissant de Jésus. Que je ne puisse pas avoir peur là où Dieu est en train de me visiter. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire. Oh Dieu, visite-moi cette nuit. Oh Dieu, visite-moi cette nuit. Alléluia. Et que tout pharaon, alléluia, qui dans ma vie ne veut pas me laisser partir. Que tout pharaon qui ne veut pas me laisser partir. Tout pharaon qui ne veut pas me libérer. Qui veut toujours me retenir dans l'esclavage. Puisse mourir dans le nom de Jésus. Oh Dieu, visite-moi cette nuit. Et que tout pharaon qui retient ma vie dans l'esclavage. Et que tout pharaon qui retient ma vie dans la maladie. Et que tout pharaon qui retient ma vie dans la pauvreté. Et que tout pharaon qui retient ma vie dans les pleurs, dans la tristesse. Meurs dans le nom de Jésus. Sois foudroyé dans le nom de Jésus. Lâche prise dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, commence à dire, oh Dieu, visite-moi cette nuit. Et que tout pharaon qui retient ma vie meurt au nom de Jésus. Que tout pharaon qui retient mes projets, qui retient un quelconque domaine de ma vie, soit anéanti, soit brûlé, soit foudroyé cette nuit dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, commence à prier au nom de Jésus. Que tout pharaon qui me tient de la sorcellerie soit détruit cette nuit au nom de Jésus. Commence à appeler la visitation divine. Commence à appeler la visitation divine. Oh Dieu, visite-moi. Visite-moi cette nuit au nom de Jésus. Oh Dieu, visite-moi cette nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, visite-moi cette nuit. Visite-moi cette nuit. Visite-moi cette nuit. Et que tout pharaon, alléluia, qui dira qu'il ne me laissera pas. Et que tout pharaon qui dans ma vie parle et dit qu'il ne me laissera pas partir, meurt dans le nom puissant de Jésus. Et que tout pharaon qui ne veut pas laisser ma destinée aller. Et que tout pharaon qui ne veut pas lâcher mon étoile briller. Et que tout pharaon qui ne veut pas laisser mes enfants s'épanouir, meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Cette nuit qu'il soit foudroyé dans le nom de Jésus par ta visitation, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, viens me visiter cette nuit. Visite ma vie, visite mon cœur, visite ma maison. Et que tout pharaon qui retient ma santé, et que tout pharaon qui retient mon corps dans la maladie, qui persiste,
qui ne veut pas me laisser, alléluia, dans la bonne santé, qui ne veut pas me laisser m'épanouir dans ma santé, meurt au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que tout pharaon qui retient mon argent, que tout pharaon qui retient mon épanouissement, que tout pharaon qui retient ma prospérité, meurt dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit foudroyé par ton feu, qu'il soit foudroyé par ton feu, qu'il soit foudroyé par ta foudre, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant, au nom de Jésus, que Dieu me visite cette nuit, que Dieu me visite cette nuit, et que tout pharaon qui parle dans ma vie, tout pharaon qui parle dans ma destinée, tout pharaon qui parle et qui dit qu'il ne me laissera pas partir, soit foudroyé dans le nom de Jésus. Tout pharaon qui dit qu'il ne me laissera pas aller, tout pharaon qui dit qu'il ne me laissera pas m'épanouir, soit foudroyé par le tonnerre de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Soit foudroyé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Soit foudroyé par la foudre de Dieu dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout pharaon qui retient ma famille, tout pharaon qui dit que ma famille, qui ne laissera pas ma famille aller, je déclare cette nuit que Dieu me visite. Et que tout pharaon qui dit qu'il ne laissera pas mes enfants aller, qui ne laissera pas mes enfants s'épanouir, qui ne laissera pas mes enfants prospérer, meurt dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit détruit cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit anéanti cette nuit au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, que tout pharaon qui retient ma vie dans le fin fond du village, que tout pharaon qui retient ma vie dans les cimetières, que tout pharaon qui retient ma vie dans les eaux, soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit maintenant où je parle, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout pharaon qui retient mon étoile et qui a dit qu'il ne laissera pas mon étoile briller, et qui a dit qu'il ne laissera pas mon travail s'épanouir, et qui a dit qu'il ne me laissera pas m'épanouir, qu'il ne me laissera pas prospérer, qu'il ne me laissera pas aller, soit foudroyé dans le nom de Jésus. Qu'il soit foudroyé, qu'il soit anéanti, qu'il soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, que tout pharaon qui retient ta vie soit détruit. Que Dieu te visite cette nuit et que tout pharaon qui retient ta maison, qui retient ta prospérité, qui détient ta vie, qui ne veut, qui dit qu'il ne te laissera pas aller, qu'il lâche prise dans le nom de Jésus. Qu'il lâche prise dans le nom de Jésus. Qu'il lâche prise dans le nom de Jésus. Que tout pharaon qui te retient en esclavage dans n'importe quel domaine de ta vie, lâche prise, que son bras soit coupé au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans le monde spirituel. Qu'il soit anéanti dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire, oh Dieu, visite-moi cette nuit. Visite-moi cette nuit. Père, je suis prête. Je suis prête. Tu peux aussi dire, je suis prêt, Seigneur. Je suis prête. Visite-moi. Je suis prêt, Seigneur, à ta visitation. Je m'attends à ta visitation. Visite-moi cette nuit. Car toi, tu visites la nuit. Alléluia. Visite-moi cette nuit. Et que tout amane. Que tout Amman qui creuse une fosse de destruction contre ma vie, et que tout Amman qui creuse une fosse de destruction contre ma vie, contre mes enfants, contre ma destinée, contre mes projets, tombe lui-même dans son propre trou au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il tombe lui-même dans sa propre fosse au nom de Jésus. Qu'il tombe lui-même. Que tout Amman qui creuse une fosse de destruction contre moi, il tombe lui-même dans le nom de Jésus. Tombe lui-même dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que tout Aman. Aman voulait tuer Mardoché. Mais c'est Aman lui-même qui avait été pendu dans le bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Il y a eu un retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Il y a eu un retour à l'envoyeur. Que tout Aman qui prépare, qui a creusé une fosse contre toi, tombe lui-même dans sa propre fosse dans le nom de Jésus. Commence à prier. Oh Dieu, visite-moi cette nuit. Cette nuit, Seigneur, je m'attends à ta visitation. Viens me visiter, oh Dieu. Et que tout Aman qui creuse une fosse contre moi, que tout Aman qui creuse une fosse de destruction contre ma vie, tombe dans sa propre fosse au nom de Jésus. Qu'il y tombe lui-même dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout Aman, alléluia, qui a préparé une fosse, que tout Aman, bien-aimé, le Aman peut représenter aussi les maris de nuit. Le Aman peut représenter les femmes de nuit. Le Aman peut représenter cet oppresseur qui vient toujours te toucher quand tu dors. Le Aman peut représenter ce gros poids que tu sens quand tu dors, qui est comme si quelqu'un dort sur toi. Que lui-même, il tombe dans la fosse qu'il a préparée. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh
Dieu, visite-moi cette nuit, visite-moi cette nuit, visite-moi cette nuit, et que tout Aman, alléluia, tout Aman qui creuse une fosse de destruction contre moi, et que tout Aman qui creuse une fosse de destruction contre mes enfants, contre mon avenir, contre mes projets, contre ma santé, contre ma vie spirituelle, il tombe lui-même dans le nom puissant de Jésus. Que le Aman qui travaille contre moi tombe dans sa propre fosse au nom puissant de Jésus. Que le Aman qui travaille contre tes enfants tombe dans sa propre fosse dans le nom puissant de Jésus. Que tout Aman qui travaille contre moi tombe dans sa propre fosse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, alors qu'il est minuit, alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare que tout Aman qui travaille contre moi, que tout Aman qui travaille contre ma vie, que tout Aman qui travaille contre mon étoile, que tout Aman qui veut retenir ma destinée, qui a creusé une tombe de destruction, qui a creusé une fosse de destruction, qui a creusé un trou de destruction contre moi, il tombe lui-même dans le nom puissant de Jésus. Qu'il tombe lui-même dans le nom de Jésus. Qu'il soit surpris que lui-même il est encore dedans. Au nom puissant de Jésus. Parce que mon Dieu est puissant. Parce que tu es puissant, oh Dieu. Parce que tu es puissant. Je déclare cette nuit, alors que je me tiens à la porte de minuit, que tout Aman qui creuse une fosse de destruction contre moi, il tombe lui-même dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, alors que tu vas dormir, alors que nous sommes la nuit et que nous sommes à la porte de minuit, tu vas déclarer maintenant, s'il y a une flèche qui a été aiguisée contre toi, une flèche qui a été aiguisée contre tes enfants, une flèche qui a été aiguisée en direction de ta maison, tu vas déclarer cette nuit, tu vas parler à la flèche. Oh toi flèche de terreur, oh toi flèche de la nuit, parce que dans la Bible parle que dans la nuit il y a ce qu'on appelle les terreurs, alléluia, les terreurs de la nuit. Tu vas dire, oh toi flèche de terreur, toi flèche de terreur de la nuit, retourne et détruis ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne et détruis ton expéditeur au nom de Jésus. Là où la flèche de la terreur de la nuit ramène une femme de nuit. La femme de nuit, alléluia, qu'elle soit détruite au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le mari de nous soit détruit cette nuit au nom puissant de Jésus. Oh, toi flèche de terreur. Toi flèche de terreur de la nuit, retourne à ton expéditeur. Retourne et détruis ton expéditeur dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que cette flèche retourne. Que cette flèche retourne à son expéditeur dans le nom de Jésus. Je déclare que tu vas prospérer au nom de Jésus. Je déclare que tu vas monter au nom de Jésus. Je déclare que tu vas rentrer pleinement, pleinement dans ta destinée, pleinement dans tes bénédictions, pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu vas monter dans le nom de Jésus. Commence à prier. Oh toi flèche de terreur, oh toi flèche de terreur, alléluia. Oh toi flèche de terreur de la nuit, retourne et détruis ton expéditeur au nom puissant de Jésus. Je déclare que la flèche de terreur de la nuit qui est envoyée contre moi dans la nuit, qui est envoyée contre ma santé, qui est envoyée contre mon mariage, qui est envoyée contre ma vie spirituelle, qui est envoyée contre ma vie, retourne à son expéditeur et détruis son expéditeur au nom de Jésus. Retourne et détruis son expéditeur au nom puissant de Jésus. Je déclare cette nuit que la flèche de terreur qui est envoyée contre moi, retourne et détruis son expéditeur au nom de Jésus. Je déclare cette nuit que la flèche de terreur qui est envoyée contre moi, retourne et détruit son expéditeur au nom de Jésus. Je déclare que les flèches de la nuit qui sont envoyées contre moi, retourne et détruit son expéditeur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, qu'il retourne. Alléluia. Je déclare, oh toi flèche de terreur de la nuit, toi flèche de terreur de la nuit, je déclare maintenant, retourne et détruis ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne et localise-le, détruis-le dans le nom puissant de Jésus. Retourne et détruis ton expéditeur au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que la flèche de terreur de la nuit qu'on envoie contre toi, les terreurs des femmes de nuit, les terreurs des mauvais rêves, les terreurs de l'esclavage de la nuit, les terreurs des nourritures de la nuit, les terreurs où on te met toujours enfermé dans une prison, que cela retourne à son expéditeur et que lui-même soit enfermé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que quelqu'un t'appelle pour te demander pardon, que quelqu'un t'appelle pour te dire excuse-moi, je voulais te faire du mal, que quelqu'un t'appelle pour dire je me dénonce, je n'en peux plus, que quelqu'un t'appelle pour dire que je suis brûlé, excuse-moi. Que quelqu'un s'excuse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te visite cette nuit. Et que la visitation divine puisse détruire tous les plans de l'ennemi contre toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare maintenant. Bien-aimé, souvent le diable vient nous déshonorer dans les rêves.
Des fois, le diable, souvent même, c'est dans les rêves qu'il vient travailler. Dans les rêves, il vient te déshonorer en ramenant des esprits méchants, des esprits sexuels, en ramenant des gens qui viennent te taper, en ramenant des gens qui viennent t'enfermer. Il y a d'autres personnes même qui font des rêves, excusez-moi le terme, ils font des rêves qui font... Ils prennent les matières fécales et ils se mettent sur le visage. Ils se peignent de ça en fait. Ils mettent sur leur corps. Bien-aimé, c'est vraiment diabolique et démoniaque. C'est pour mettre la malédiction. C'est pour mettre vraiment l'esprit de honte sur toi. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, quand dans le rêve, quand ils dorment, ils rêvent qu'on leur a volé leurs clés, on leur vole leur portefeuille, on leur vole leur voiture, on leur vole quelque chose. On vous prend toujours des choses dans les rêves. Alors commence à déclarer. Déclare cette nuit, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Tu peux aussi dire, je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit et que je ne serai pas déshonoré dans mon rêve au nom de Jésus. Dans ton rêve, quand tu vas dormir, tu ne seras pas déshonoré. Commence à le croire parce que Dieu te visite. Alléluia. Je ne serai pas déshonoré dans mon rêve. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je déclare que je suis un enfant de Dieu et je ne serai pas déshonoré dans mon rêve au nom de Jésus. Je ne serai pas déshonoré dans mon rêve au nom de Jésus. On ne viendra pas me voler mes affaires quand je dors au nom de Jésus. On ne viendra pas me souiller quand je serai en train de dormir au nom de Jésus. On ne viendra pas utiliser mon corps quand je serai en train de dormir au nom de Jésus. Commence à déclarer, tu ne seras pas déshonoré dans ton rêve. Tu ne seras pas déshonoré dans ton rêve dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. On ne te prendra pas pour t'enfermer dans les toilettes quand tu dors dans les rêves. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. On ne prendra pas, on n'utilisera pas des excréments pour te mettre sur le corps. Parce que tu es enfant de Dieu. On ne te mettra pas à faire des excréments devant tout le monde dans ton rêve. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu ne seras pas dans la honte. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je ne serai pas déshonoré dans mon rêve au nom de Jésus. Je ne serai pas déshonoré dans mon rêve au nom de Jésus. Car je suis un enfant de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas une pharmacie. Mon corps n'est pas un stade de football. Mon corps n'est pas un terrain de basket pour qu'on vienne jouer dans le nom puissant de Jésus. Aucun démon ne viendra jouer avec mon corps. Aucun esprit ne viendra utiliser mon corps. Aucun esprit humain ne viendra utiliser le corps de mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Car je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Aucun esprit ne va me déshonorer dans mon sommeil. Dans le nom de Jésus. 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 Personne ne va me déshonorer dans mon sommeil. Au nom de Jésus. Je déclare, bien-aimé, que personne ne va te déshonorer. Aucun esprit méchant, aucun démon ne viendra te déshonorer dans ton sommeil. Dans le nom de Jésus. Personne ne viendra te déshonorer. Si tu fais un rêve que tu as pris des matières fécales et que ou on te le fait manger ou tu mets sur ton corps, réveille-toi, réprimande cet esprit dans le nom puissant de Jésus. Lave-toi avec le sang de Jésus et tu réprimandes cela. Tu envoies un retour à l'envoyeur à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. N'aie pas peur, ne pleure pas. Encore, tu vas te lever et tu prends autorité. Tu dis, je renvoie à l'envoyeur ses propres excréments dans le nom de Jésus. Je mets la honte sur lui dans le nom puissant de Jésus. Car moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, tu ne seras pas déshonoré. Aucune femme de nuit ne viendra te déshonorer, toucher tes parties intimes dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne serai pas déshonoré dans mon rêve. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore. Nous arrivons bientôt à la fin. Tu vas dire encore, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Accorde-moi la grâce de gagner tous les combats dans mes rêves au nom de Jésus. Bien aimé, souvent, nous nous battons dans les rêves et bien des fois, nous perdons. Bien des fois, on nous fait du mal, on nous vole des choses parce que nous perdons la bataille. Alors, demande la grâce de gagner tous les combats que tu peux avoir dans ton rêve, dans le nom de Jésus. Mon Père, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, accorde-moi la grâce de gagner tous les combats dans mes rêves au nom puissant de Jésus. Que je gagne tous les combats que je peux avoir dans mes rêves. Que je gagne tous les combats. C'est-à-dire si le sorcier vient te combattre dans ton rêve, c'est toi qui vas gagner dans le nom de Jésus. Si les esprits méchants viennent te combattre dans les rêves, c'est toi qui vas gagner. Si tu vois les policiers avec des armes dans les rêves, c'est toi qui vas gagner parce que tu as le nom de Jésus. Tu as le sang de Jésus. C'est toi qui vas gagner et tu auras la force de gagner. Tu auras la force d'envoyer le feu. Tu auras la force d'envoyer le sang de Jésus. Tu auras la force. Tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas atteint parce que tu es enfant de Dieu. Commence à déclarer. Commence à déclarer dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je me tiens à la porte de minuit. Mon Père, par la puissance du sang de Jésus, accorde-moi la grâce de gagner tous les combats dans mes rêves au nom de Jésus. Accorde-moi
Accorde-moi la grâce de gagner toutes mes batailles dans les rêves au nom puissant de Jésus. Accorde-moi la grâce de gagner tous les combats que je peux avoir pendant que je dors, pendant mon sommeil, dans le nom puissant de Jésus. Que je puisse gagner ces batailles, que je puisse gagner ces batailles dans le nom de Jésus. Qu'il vienne du nord, qu'il vienne du sud, qu'il vienne de l'est, qu'il vienne de l'ouest. Parce que je suis ton enfant, par la puissance du sang de Jésus, que je puisse gagner toutes les batailles dans le nom de Jésus. Qu'il vienne au nombre qu'ils veulent, que je puisse gagner les batailles dans le nom de Jésus. Que je puisse gagner la bataille de la nuit, que comme Jacob avait gagné la bataille, que je puisse gagner la bataille de la nuit, que le carnage soit dans le camp de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, par la puissance du sang de Jésus, accorde-moi la grâce de gagner toutes mes batailles, toutes les batailles que je peux avoir dans la nuit, de gagner toutes les batailles que je peux avoir, alléluia, dans mes rêves, quand je suis en train de dormir, dans mon sommeil, dans le nom de Jésus, que je gagne la bataille, que je gagne la bataille, que je gagne la bataille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia. Et pour terminer, bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, oh mon Père, visite-moi cette nuit, visite-moi s'il te plaît, visite-moi cette nuit, oh mon Père, et ouvre-moi, alléluia, ouvre, ouvre-moi la porte du miracle, alléluia, ouvre-moi la porte de la promotion. Ouvre-moi la porte, bien-aimé, tu vas dire ce que tu veux voir maintenant. C'est une prière de foi, une prière de déclaration, une prière du surnaturel divin, une prière prophétique. Tu vas dire, ouvre-moi la porte de la fertilité, si tu as besoin d'enfants. Ouvre-moi la porte de la santé, Seigneur, de la guérison, si tu es malade. Ouvre-moi la porte de la promotion, si tu veux avoir une promotion au travail. Mon Père, visite-moi cette nuit et ouvre-moi la porte du miracle, dans le nom de Jésus, s'il te plaît. Ouvre-moi la porte de la restauration, que je sois restauré, que mes enfants soient restaurés, que ma vie soit restaurée. Seigneur, que ma vie puisse prendre un nouveau tournant. Tu es capable de changer les choses. Que tu puisses ouvrir la porte. Demande l'ouverture d'une porte dans ta vie. Demande l'ouverture d'une porte dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, visite-moi cette nuit. Visite-moi cette nuit. Alléluia. Et ouvre-moi, alléluia. Ouvre-moi la porte de la promotion dans le nom de Jésus. Ouvre la porte de la promotion dans ma vie dans le nom de Jésus. Ouvre la porte de la guérison dans ma vie. Et que la maladie me quitte à jamais au nom de Jésus. Ouvre-moi la porte du miracle, Seigneur. Là où les portes sont fermées devant moi, là où il y a l'impossibilité, que je puisse vivre le miracle dans le nom de Jésus. Ouvre la porte, Seigneur, de la visitation divine dans ma vie. Ouvre la porte, Seigneur, au Dieu de gloire, de la multiplication dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, visite-moi cette nuit, alors que je serai en train de dormir. Visite ma famille, visite ma maison, visite mon couple. Ouvre la porte de l'harmonie dans ma vie. Seigneur, qu'il n'y ait plus de disputes entre moi et mon époux, qu'il n'y ait plus de division dans ma maison. Seigneur, visite-moi, ouvre la porte de la prospérité dans ma vie. Seigneur, que les échecs me quittent à jamais, que la pauvreté imposée par la sorcellerie me quitte à jamais. Ouvre la porte, Seigneur, de la prospérité, ouvre la porte de la multiplication dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, alors que je serai en train de dormir, ouvre la porte de la grâce dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Ouvre la porte de la promotion, Seigneur. Ouvre la porte, ô Seigneur, au Dieu de gloire, de la reconnaissance de la terre dans ma vie, dans ce pays où je suis étranger, Seigneur, accorde-moi les papiers. Ouvre la porte de la reconnaissance de la terre, dans le nom de Jésus, que dans cette terre où je suis, que dans ce pays où je suis, que je puisse être reconnu par les autorités, dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, ouvre la porte de la bénédiction, visite-moi cette nuit et ouvre la porte de la bénédiction, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, tu es le Dieu du possible, tu es le Dieu du possible. Transforme l'impossible dans ma vie dans le nom de Jésus. Transforme ce qui est impossible dans ma vie dans le nom de Jésus. Car tu es le Dieu du possible, rien n'est impossible à toi. Là où, Seigneur, les choses sont impossibles pour moi, que tu puisses transformer cela, que tu puisses changer cela, que tu puisses changer cela dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu, alléluia, de l'impossible. Tu es le Dieu du tout est possible. Tu es le Dieu du changement. Tu es le Dieu de la restauration. Cette nuit, alors que je me tiens à la porte de minuit, commence à restaurer ma vie, commence à restaurer ma maison, commence à restaurer ma santé, commence à enlever les rhumatismes, commence à enlever les cancers au nom de Jésus-Christ, commence à enlever les tensions artérielles au nom de Jésus-Christ, commence à enlever, ô Seigneur, le diabète, commence à enlever le sida au nom de Jésus-Christ, commence à enlever cette maladie imposée par les ténèbres au nom de Jésus-Christ, commence à délivrer, commence à enlever la stagnation dans ma vie au nom de Jésus-Christ, visite-moi cette nuit, commence à enlever les célibats chroniques dans le nom de Jésus-Christ. Commence
Commence à enlever, Seigneur, la lourdeur chronique au nom de Jésus-Christ. Commence à enlever la stagnation. Commence à enlever, Seigneur, oh Dieu de gloire. Commence à enlever les retards dans ma vie, dans le nom de Jésus. Commence à enlever les retards dans le nom de Jésus-Christ. Commence à enlever les échecs dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Commence à délivrer, commence à faire tomber, Seigneur, les esprits méchants, démoniaques, qui viennent m'empêcher de dormir en paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à délivrer, commence à délivrer, commence à délivrer. Visite-moi cette nuit, dans le nom de Jésus. Toi qui es le Dieu du miracle, Seigneur, ouvre, Seigneur, la porte du miracle pour tes enfants. Ouvre la porte du miracle, Seigneur, pour tes enfants, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, je déclare cette nuit qu'un ange vous visite au nom de Jésus-Christ. Je déclare cette nuit qu'un ange de l'Éternel vous visite dans le nom de Jésus. Oh, je déclare maintenant que l'ange de la fécondité visite chacun de vous. Cette nuit, que l'ange de la fécondité visite chacun de vous dans le nom de Jésus. Et qu'il déracine toute graine de stérilité dans vos vies dans le nom de Jésus. Que l'ange de la fécondité vous visite et qu'il déracine toute graine de stérilité dans vos vies dans le nom de Jésus. Que l'ange de la prospérité vous visite et qu'il déracine la graine de la pauvreté dans le nom de Jésus. Qu'il déracine toute graine de sécheresse dans vos vies dans le nom de Jésus. Que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné dans le nom de Jésus. Soyez visités par l'ange de l'Éternel et que quand il va vous visiter, qu'il déracine toutes graines d'incrédulité, tout ce qui vous empêche de croire vraiment la parole de Dieu, tout ce qui vous empêche d'exceller, d'avancer dans les choses de Dieu dans le nom de Jésus. Qu'il puisse déraciner cela, qu'il puisse déraciner cela, qu'il puisse déraciner cela. Je déclare cette nuit que l'ange de l'Éternel déracine maintenant toute plante, toute graine de malchance qui a été implantée dans vos vies, qui a été plantée dans vos maisons, qui a été plantée dans vos corps. Que cela soit déraciné au nom de Jésus. Je déracine cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute plante de malchance, toute plante d'envoûtement, toute plante d'échec, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné. Que vous récupère ta prospérité, récupère par force ta santé, récupère par force ton succès, récupère par force ton étoile dans le nom de Jésus-Christ, récupère ta véritable vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Récupère ce qui est à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Récupère ta santé, récupère ta force, récupère ta force, la force de ton corps, la force de ta santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, que les ténèbres ne règnent plus dans ta vie au nom de Jésus. Ah oui, la Bible déclare les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Que les ténèbres ne puissent pas régner dans ta vie, que l'ennemi ne puisse pas régner dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la sorcellerie ne règne pas dans ta maison, dans le nom de Jésus. Car tu es enfant de Dieu, 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 dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, alléluia, alléluia. Acclame le Seigneur, alléluia. Que cette nuit soit pour toi la nuit de la visitation divine, dans le nom puissant de Jésus. Que cette nuit soit pour toi la nuit de la visitation divine, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dis juste cette phrase. Dis cette phrase avec la foi, avec détermination et avec zèle, avec compréhension, avec conscience. Répète après moi. Dis tout simplement, j'entre cette nuit dans le monde invisible. Je déclare que j'entre cette nuit dans le monde invisible et je récupère tout ce qui m'appartient dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est une phrase très simple. Je déclare cette nuit, alléluia, que j'entre dans le monde invisible. Alléluia. J'entre cette nuit dans le monde invisible et je récupère tout ce qui m'appartient dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je déclare cette nuit que j'entre dans le monde invisible. Et je récupère ma santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cette nuit que j'entre dans le monde invisible et je récupère mon étoile maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cette nuit que j'entre dans le monde invisible et je récupère mon travail dans le nom de Jésus. Je récupère mes papiers qui ont été bloqués quelque part dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mon identité. Bien-aimé, là je parle prophétiquement. Récupère ton identité. Ce que tu vis là n'est pas ta vie, donc ce n'est pas ton identité. Récupère ta véritable identité dans le nom de Jésus. J'entre dans le monde invisible et je récupère mon identité maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cette nuit que j'entre dans le monde invisible et je récupère ma véritable
véritable identité, le véritable moi qui a été caché là-bas. Je le récupère maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être une ombre. Je veux être véritablement moi dans le nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus a dit, celui qui est le Fils a la vie. Il a véritablement la vie. Alors j'ai Christ, j'ai la vie. Je récupère mon identité dans le nom puissant de Jésus. J'entre dans le monde invisible et je récupère mes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cette nuit, j'entre dans le monde invisible et je récupère la possession de mon territoire, de ce pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'entre dans le monde invisible maintenant et je récupère la destinée de mes enfants, la destinée, le destin de mon fils au nom de Jésus. Je récupère son intelligence. Là où l'enfant n'est pas intelligent, bien-aimé, récupère. J'entre dans le monde invisible maintenant au nom de Jésus-Christ et je récupère l'intelligence de mon fils dans le nom de Jésus. Je récupère sa force, je récupère sa conscience, je récupère son intelligence, je récupère sa pensée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'entre dans le monde invisible maintenant et je récupère mon mariage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier et nous avons terminé. Merci d'aimer la vidéo et merci de partager. Ne partez pas avant la prière de fin. Tendre Père, merci pour ce temps de prière. Merci Père, car tu nous visites cette nuit. Que dire encore Seigneur? Tu as exaucé nos prières, ô Dieu. Je veux tout simplement te bénir. Je viens te confier ton peuple entre tes mains, que tu les gardes et que tu les protèges. Et que Seigneur, oui, qu'ils puissent vivre tes miracles, qu'ils puissent vivre ton nom, qu'ils puissent vivre ta grandeur. Et que tout ce qui était impossible dans leur vie devienne possible maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car tu as exaucé nos prières. Merci Seigneur pour tes enfants, Seigneur. Je confie leur nuit entre tes mains. Protège, garde Seigneur, visite, fais du bien, restaure, délivre et que tu puisses encore Seigneur écrire ton nom sur leur front et sur leurs mains dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et toute langue confesse au nom de Jésus, que Jésus-Christ est Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu le Père. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.